Salut salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Un haul et un unboxing. Vous savez que j'aime bien vous faire ça une fois à peu près par mois. J'ai quelques trucs qui sont déjà arrivés mais j'en attends encore demain. Donc je pense que je vous ferai des close-up. Parce que ce que j'attends c'est chez Sephora. Donc au moment de Sephora je vous ferai des close-up de ce que j'ai reçu demain. Comme ça vous aurez tout dans une seule vidéo. Aujourd'hui on va parler forcément haul make-up. Hein, parce que j'ai pas mal craqué avec ces dernières soldes. Chez Sephora, chez Nocibé, sur le site Stylevana. J'ai reçu aussi des petits trucs pour en tant que maîtresse. D'ailleurs je pense que je vais commencer par ça. Comme ça pour celles qui sont intéressées par le côté maîtresse, bah, vous l'aurez tout de suite. J'ai aussi craqué chez Yves Rocher, enfin, trop de choses à vous montrer. Du site Bazar d'Instit, c'est Angélique qui a un Instagram et qui a un site internet qui fait des petites choses pour les profs des écoles. Du coup, bah, j'avais envie d'ouvrir le colis avec vous. Il est assez gros. Elle m'a concocté des petites choses à l'intérieur. Donc, je suis trop contente de découvrir un peu ce qu'elle propose. Sur son site, il y a pas mal de petites choses. Il y a une sorte de planeur pour maîtresse. Il y a des tampons un peu personnalisés. Il y a des stickers très positifs. Il y a pas mal de petites choses. Donc, je vous mettrai son site internet, ça vous dit. Rejoignez nous aussi sur Insta et sur sur nos Insta toutes les deux et sur nos Facebook, tiens, soyons fous hein. Et donc allons-y. J'avais pas vu, voilà, c'est la surprise en unboxing, c'est que je pensais pas avoir reçu ces stickers, mais si, elle m'en a mis, elle est trop adorable, donc voilà, trop contente. C'est hyper bien protégé au niveau de l'envoi, donc ça c'est top. Donc je découvre des petits tampons comme ça, un petit kit, une petite boîte, donc ça c'est sympa pour mettre sur le bureau. Donc Bazar d'Instit, collection de tampons, kit information. Je crois qu'il y a plusieurs types de kits et dans celui-ci il y a 4 tampons et 2 encres avec des couleurs différentes. Donc j'aime bien, il y a du bleu et du rose. Moi j'aime bien mettre des tampons couleur rose. Hop, je vais vous les montrer par deux. Donc il y en a un, c'est signature des parents. Ah ça je l'ai pas là, parce que j'ai pas mal de tampons à l'école, mais j'ai pas ça, signature des parents. Donc ça c'est très pratique quand on met des petits mots. Un petit tampon soin, donc vous voyez c'est des petits tampons comme ça hein. Donc très bien. Un tampon vue, alors ça c'est trop pratique quand vous corrigez une dictée et que vous voulez pas mettre de notes mais vous montrez que vous avez juste vu et que vous avez regardé quoi. C'est pas mal. Et travail en groupe, ça c'est bien aussi pour préciser dans le cahier du jour quand c'est un travail qui a été fait collectivement. Donc avec des petits bouts là, trop mignons. Eh ben ils sont super sympas, j'ai hâte de les utiliser en classe. Mais je vous en reparle dans des prochaines vidéos maîtresse, hein. J'ai plein d'idées là qui vont arriver, donc restez connectés. Ah j'avais pas vu, en dessous des tampons il y a des petites encres différentes. Donc il y a un nez rose un peu fuchsia, un rose plus clair, un bleu clair et un bleu plus foncé. Ensuite on a un énorme, voilà regardez avec les anneaux là comme ça, Bazar d'Instit encore une fois, ça s'appelle le Bazar Organisé, un outil conçu par une enseignante pour les enseignants. Ça je suis trop contente parce que j'en ai acheté un il n'y a pas très longtemps. Si vous m'avez suivi dans mon dernier vlog, je vous le mettrai dans le petit, mais j'ai bien envie de comparer, de pouvoir voir ce qui me plaît le plus, etc. C'est vraiment intéressant et puis vous, ça peut peut-être vous intéresser aussi pour savoir lequel, enfin en tout cas vers lequel se tourner. Je vais pas vous le montrer en détail aujourd'hui, je vais vous montrer quelques pages, mais je pense que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc il est quand même comme ça, il y a pas mal d'onglets, il est super méga épais. Je pense que ça peut être cool ça pour... Ouh, il y a des pages intéressantes. Je vais vraiment les comparer, je pense que ça va être très très bien. Un onglet avec les évaluations des élèves, un onglet communication avec les parents, un onglet coopératif scolaire, trop cool. Un onglet pour mettre ce qu'on fait avec les collègues quand on fait des cloisonnements, etc. Un onglet progression. Après, on a l'onglet cahier journal. Ouah, qui est super bien fait. Ah, je suis choquée. Je suis choquée, il est vraiment bien fait. Donc, je sais pas si vous verrez bien, mais je pense que je vous ferai vraiment une vidéo plus en profondeur hein, à ce sujet. Mais il est waouh, il a l'air ultra complet. Ah oui, je comprends qu'il soit épais parce que le côté cahier journal est hyper... enfin, il prend tout le cahier. Il est vraiment bien fait. Je vais regarder ça de plus près, mais il a l'air top. Et Angélique, elle propose aussi des stickers. Et j'avais pas vu du coup dans le colis, je suis trop contente. Merci Angélique, vraiment c'est top. Je crois en toi, donc des petits stickers proposés bah, sur les travaux. Surtout, je me dis, sur les productions d'écrit de mes élèves, ça peut être vraiment bien. Magnifique, fantastique. Et le dernier, merci pour cette belle année. Donc ça peut être super cool en fin d'année. Waouh, et je crois qu'il y en a d'autres encore. De toute façon, je vous renvoie vers le site internet si ça vous intéresse. J'ai reçu une petite commande de Unique. Oui, je viens juste de la recevoir à l'instant. C'est Lily News, donc Lily,
Donc, elle s'appelle Lily Muse sur YouTube, sur Insta, etc. Vous pouvez la retrouver. C'est une fille adorable. Et Aurélie, en fait, elle s'est lancée il y a très très peu de temps sur Unique parce qu'elle a perdu son travail et elle avait envie de faire une activité un peu qui concerne le make-up et tout. Et je trouve ça trop cool. Donc, je la sentais à 100%. Et quand je voyais le mascara qu'elle mettait dans ses vlogs, son mascara était juste magnifique. J'ai beaucoup entendu de bien des mascaras Unique, mais je vous avoue que j'avais jamais passé le cap parce qu'il y a eu un peu, à un moment donné, du harcèlement avec cette marque. Du coup, j'avais pas trop envie de tester. Mais là, c'était Lily. Je voyais l'effet sur Cécile. Je me disais, mon Dieu, ça a l'air magnifique. Du coup, je lui ai demandé. Elle m'a dit qu'il était en promo. Donc, elle m'a envoyé sa petite carte. Donc, vraiment, je vous renvoie vers elle si vous voulez la découvrir. Je vous mettrai tous ses coordonnées et son site Unique à elle dans la barre d'infos. Elle me dit, donc, j'espère que ma commande me plaira. Et merci de ta confiance. Mais c'est avec un plaisir monstre. Hein. Ne t'inquiète pas. Ça fait vraiment plaisir d'enfin passer le cap de tester. Et ce mascara, donc, c'est un mascara avec des fibres. Et il a l'air magnifique sur elle, c'est le mascara Moonstruck Epic 4D. Il était en solde, je sais pas, je crois qu'il était à moins 50%. En tout cas, je l'ai payé autour de 25€, 23€, je sais plus trop. Il est trop beau, comme ceci. Je vais quand même l'ouvrir parce que ça m'intrigue de savoir. Il est vraiment avec des fibres à l'intérieur. Ah, ça se voit à peine. Donc la brosse, elle se présente comme ça. Elle a l'air pas mal du tout, la brosse. Ça, je pense que je vais le tester dès demain. Si dans mon montage vidéo c'est déjà fait, je vous mettrai une petite annotation. Mais j'ai hâte de tester. Et elle est trop adorable, elle m'a envoyé un petit Moonstruck, une ombre à paupières un peu pressée comme ça. Elle a l'air jolie, la couleur c'est la teinte Abounding. Abounding. J'ai reçu un tout petit kit comme ça de la marque Embryolisse, c'est trop cool pour les vacances, avec une crème lait fluide, un lait crème concentré et une lotion micellaire. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa pour les vacances, donc ça c'est trop cool de la part d'Embryolisse. Ensuite, sur le site Stevana, tous les mois je peux choisir un petit lot de produits qui me plaisent entre guillemets, mais c'est des lots différents en fait, il y a 3-4 lots et puis vous pouvez choisir. Là elle m'a renvoyé, la personne qui gère le site, le kit comme ça que j'avais déjà eu le mois dernier, donc ça c'est plutôt cool. Sur le site Stevana il y a toujours moins 10% si ça vous intéresse, je crois que c'est moins 10%. En tout cas je vous remets le code promo, j'ai toujours un code promo pour vous, c'est un site qui est plutôt bien, je trouve qu'il y a des belles références, vous avez de la neige etc, des marques qu'on ne trouve pas facilement non plus, des marques coréennes, c'est très très bien réputé en ces derniers moments là, je trouve qu'il y a des pépites dans ces marques là. Et dans les produits que j'avais testé le mois dernier, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i, il y a des choses que j'ai adoré et que j'utilise encore aujourd'hui, donc je suis contente. J'ai un rouge à lèvres de la marque Corinco. C'est un rouge à lèvres qui a l'air un peu rouge. Alors c'est souvent le même style de couleur, ce style un peu rouge orangé. C'est vrai que moi j'aime bien, mais c'est pas non plus ce que je préfère hein. Donc ça se présente comme ça au niveau du packaging. C'est une jolie couleur, je vous la swatch. Et c'est une sorte de... Là ça va, c'est un rouge qui tourne un peu vers le fuchsia, un chouïa vers le framboise en fait. Il a l'air pas mal du tout, la texture a l'air sympa, donc à tester. J'ai reçu aussi de la marque McQueen New York, donc ça c'est une marque que je découvre de plus en plus. C'est un... comment dire, un produit liquide qui est pour les lèvres et pour les joues, mais la texture a l'air particulièrement bizarre. Donc ça s'appelle comment? Air Cotton Tint en teinte corail, donc ça je suis contente au niveau de la teinte, mais alors ça se présente en bâtonnet, vous voyez hein. Ça a l'air flashouille, hein. Mais vous pouvez l'utiliser sur les lèvres et vous pouvez l'utiliser aussi sur les joues. Donc je vous avoue que je ne sais pas si je l'utiliserai sur les joues, mais pourquoi pas. À tester hein, prochainement, ça c'est dans mes prochains tests. J'ai reçu, mais ça sera pour cet hiver parce qu'elle est trop claire, un cushion. Il est trop beau le packaging, regardez-moi ça, c'est trop luxe. On a à l'intérieur le cushion et en plus de ça, on a une réserve. Donc ça, je suis assez étonnée puisque à l'intérieur, il y en a bien, hein, j'ai vérifié. C'est le Pony Effect de la marque, c'est la marque Pony Effect. C'est la teinte ivory je crois, hein. Rose ivory, donc c'est pour ça que je vous dis que je vais le garder pour cet hiver parce que là c'est pas possible. On a une petite toupette qui a l'air sympa et quand on ouvre, hop là, voilà. Honnêtement, il a l'air top top top. C'est vrai que leurs cushions, ils sont très couvrants chez les marques coréennes. Donc je vais tester ça cet hiver parce que là ça va pas du tout être possible pour maintenant. J'ai reçu aussi une sorte de bébé crème un peu peach. Wiping Tone Up Cream, donc c'est pas une bébé crème, je pense que c'est une crème un peu brightening, c'est-à-dire un peu base lumineuse, donc ça j'ai hâte de tester, un peu style pêche, ça vous fait pas penser à quelque chose hein? On dira rien. J'ai reçu aussi de la marque Momantic, alors regardez-moi ce packaging, petite horloge comme ça là, c'est trop mignon, c'est un petit trio de couleurs.
Je trouve que le packaging est encore une fois hyper beau, mais je sais pas du tout si je vais avoir le réflexe de l'utiliser. C'est vrai que si vous voulez emmener un tout petit truc en voyage, ça va être très pratique, hein, un petit trio. Les couleurs ont l'air très 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 jolies, un peu corail rosé, c'est très très beau. Mais c'est vrai que c'est un peu petit quand même, hein, c'est pas vers ce que je me tourne le plus quand je veux me maquiller. Et ça, je suis trop contente, c'est une sorte de Glasting Water Gloss, donc un gloss un peu effet, je pense, glacé. Ça, j'ai hâte de tester, c'est la marque... Alors attendez, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Non, c'est la marque Rom Ensd. Oh, j'arrive pas à le dire. R-O-M, le End et ND. On va y arriver. Chercher, ça se présentait comment, mais en fait c'est un petit bâtonnet comme ça. On peut tester d'ailleurs. Ah, c'est même pas un pinceau, en fait c'est un embout un peu silicone. Oh, c'est un peu mentholé ça. Moi j'aime bien. C'est hyper agréable. J'adore. Mais c'est hyper mentholé de... Hein, ça envoie du lourd, du lourd, du lourd. C'est frais. C'est absolument pas collant. C'est comme si j'avais mis de l'eau sur mes lèvres. Mais c'est mentholé. Un peu poivré même. Hein. Je sais pas si c'est un peu un plumper, mais... Hyper agréable, ça allait dans mon sac à main direct. Et Yves Rocher, j'ai craquouillé pour la nouvelle collection. Oui, j'ai été faible. Donc déjà j'ai pris le sac qui m'a coûté je crois 3,50€, mais je l'ai trouvé trop beau et j'ai pas pu résister. Pour aller à la plage ici, ça peut être pratique parce qu'on va de temps en temps quand même à la plage. Avec, j'ai eu la trousse gratuite, donc très sympa. Ça c'est toujours un top d'avoir des petits bonus comme ça. Et j'ai craqué pour quasi toute la nouvelle collection Monoeil. Je sais pas pourquoi j'ai été faible. Donc déjà, j'ai repris mes gants démaquillants chez Yves Rocher avec moins 50%. Je reprends tout le temps ces petits gants-là. Ce sont mes préférés, je les adore. Mais c'est vrai qu'au bout de 50 utilisations, ils sont plus aussi doux, ils sont plus aussi beaux. Donc j'en rachète un de temps en temps. Donc le voici, ils sont vraiment top, 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 top. Je les adore. J'ai eu un petit hydra végétal comme ça, une jolie exfoliante éclat gratuite. Donc ça, c'est ma deuxième au moins que j'ai gratuitement, mais j'ai toujours pas testé. Craqué pour un dissolvant, tout simplement parce que des fois, j'en ai besoin pour les pieds, pour les mains, parce que le mien commence à se faire vieux. Donc j'en ai pris un petit comme ça et j'ai pris le vernis. Donc c'est la nouvelle gamme Green, donc soi-disant meilleur compo, et c'est le blanc, le numéro 1 blanc orchidée. Moi j'adore le blanc, hein, vous le voyez, c'est pas celui que j'ai sur les ongles parce que là c'est du semi-permanent, mais voilà, sinon j'aime bien le blanc de chez Essie, mais je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci qui est entre guillemets petit prix. Et dans la gamme Monoeil, donc j'ai pris le spray capillaire, effet wavy, effet plage, donc ils sont très bons, j'ai testé sur ma fille, ça marche plutôt bien sur elle, donc c'est surtout pour elle que je l'ai pris. J'ai pris l'huile sèche, multi-usage, hydratante, que ce soit pour le corps, les cheveux, pour faire des bains d'huile, etc. Donc j'ai pris celle-ci, là j'avais envie d'été, de cool, d'odeur, de Monoeil, je pars pas en vacances, donc j'avais envie de me faire plaisir dans ce domaine. Ça pour ma fille, je lui ai repris donc la gamme d'été comme ça, Monoeil, le shampoing douche douceur. C'est vrai que c'est un gel douche que j'achète souvent quand je pars en vacances pour l'emmener dans la valise. Mais là, ma fille, elle l'aime beaucoup, donc je l'ai pris pour elle. Et moi, je me suis pris le gommage en huile, corps, bronzage, éclat, donc de chez Yves Rocher. Ça, c'est une nouveauté de cette année, hein. J'ai jamais vu ça l'année dernière, je crois pas. Et ça me donnait trop envie. Donc tous les produits que j'ai achetés sont à moins de 50% hein, actuellement. Je pense que c'est souvent le cas chez Yves Rocher. Hein. Mais ça m'a coûté le tout. Là j'en ai eu pour presque 50€ parce que j'ai pris le parfum qui coûtait déjà 14€ de même à moins 50%. C'est-à-dire le parfum de base il est à 30€, mais avec moins 50% c'était 14,90€, un truc comme ça, donc 15€. C'est l'eau de toilette vague d'été. J'ai cru comprendre qu'elle était top top top. Et moi j'aime bien ce genre d'odeur là en été. D'ailleurs le packaging est très beau. Et on va en mettre un petit coup. Ça sent tellement bon. Ah, c'est exactement l'odeur de Yves Rocher, du Monoeil, de l'été, des vacances, tout ça. Ça, je suis contente. Donc voilà, j'ai pris que ça, mais quand même. Hein, j'ai pris toute la nouvelle gamme. Oui, j'ai été faible. J'ai eu un craquage, un moment de faiblesse intense. Dites-moi surtout si vous aussi, vous avez craqué ces derniers temps. Chez Yves Rocher pour leur nouvelle gamme. Chez Nocibé, en ce moment, ils ont des super offres, que ce soit pour les soldes, mais aussi pour ils vous proposent aussi de recevoir des box. Nocibé, là, ils essaient de se mettre au niveau de Sephora. Du coup, j'ai craqué pour un parfum pour mon mari, mais il s'avère qu'il n'aime pas l'odeur. Donc, je pense que je vais le garder pour Papounet, pour mon Papounet, pour son anniversaire, à voir. Donc, c'est de chez Azzaro, c'est le chrome. C'était à 39€ au lieu de, je sais pas combien, c'était en promo, quoi. Je vous montre l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il y a quand même un parfum et un déo. Donc, je trouve ça cool
qu'il y ait les deux. Mais mon mari trouve que l'odeur est un peu poivrée et il n'aime pas trop, donc tant pis. Mais le packaging est vraiment bien pour un cadeau, là c'est vraiment top. Comme je vous disais, chez Yves Rocher en ce moment il y a des box. Donc là, avec grâce à Lily du Instagram Lily Auré, et là on se partage un peu les bons plans en ce moment sur Insta. Et du coup, eh ben, il y avait une box, donc pour 40€ d'achat on avait une box. Et donc avec le parfum, moi je me suis pris une petite huile là, c'est vraiment un tout petit format hein, mais c'est pour tester l'huile démaquillante de chez Nocibé, donc ça c'est pour moi, pour test. Dans la fameuse box, voilà, ça se présente comme ça, on nous dit que là le thème c'est Sea and Sun. Je suis un peu déçue du thème parce que c'est sur l'été, partir en vacances, tout ça, et moi bah j'en ai pas l'utilité. Bon après ça me servira peut-être l'année prochaine, hein. Mais bon. Donc j'ai eu quand même des petits échantillons de parfum, ça je suis un peu moins fan, mais bon c'est toujours ça. Hein. Et quand même, il y a eu plein de miniatures. Donc j'ai une miniature du parfum Jean-Paul Gaultier, donc ça c'est trop cool parce que moi j'adore les miniatures de parfum si vous me connaissez. Même si c'est des miniatures hommes. Le Kenzo World, aussi comme ça en miniature de parfum. De la marque Molinard, on a le Bel Air, donc pareil en petite miniature, ça c'est cool. On a un petit Lip Duo Jumbo Lèvres de chez Yves Rocher, donc ça c'est cool. Et on a quand même une crème visage 50+, donc crème solaire touchée sec de chez Clarins. Donc ça c'est pas mal du tout, en plus c'est quand même 30ml, donc largement suffisant pour l'été. Ça, ça peut être cool pour le visage pendant l'été, pour éviter de prendre des coups de soleil sur le visage ou quoi. On a un après solaire réparateur de chez Lancaster, donc ça c'est cool aussi, hein, c'est des belles marques. De chez Nuxe, on a un spray fondant haute protection 50+, donc honnêtement, c'est des belles miniatures. On a une lotion anti-bronzante progressive avec de l'huile de marula de la marque Vita Liberata. Ça, ça me plaît un petit peu moins. On a un petit lait solaire fondant 30, SPF 30 de chez Biotherm, donc c'est vraiment une mini miniature, ça, hein, 10 ml. Ça, on l'avait eu dans la Sephora Box, c'est le Estéderm, le prolongateur de bronzage, un lait en fait, tout simplement. De chez Saint-Germain-Montblanc, c'est une marque, je savais même pas qu'ils se vendaient chez Nocibé. Tiens, je suis assez étonnée. C'est un concentré hydratant réparateur quotidien, donc j'adore cette marque-là, donc ça c'est vraiment cool. Et pour finir, de La Roche-Posay, on a un après solaire visage et corps. Donc c'est vrai qu'au niveau du thème, elle est parfaite. Pour 40€ d'achat, c'est vraiment pas mal comme petit cadeau, hein. Faut pas se leurrer. D'habitude, les box comme ça, avec plein de miniatures, c'est chez Sephora par exemple, c'est 80€ d'achat. Là, c'est cool. Retrouvez-moi d'ailleurs sur Instagram, si vous voulez tous les bons plans comme ça, avec Lily, Lily Auré, hein, du Instagram Lily Auré. Et ben, on vous donne à chaque fois les bons plans, comme ça, on essaie de vous partager un maximum les offres. Surtout Lily, hein. Elle est vraiment au taquet par rapport à moi. Mais moi, je transfère ses offres à elle, hein, ses trouvailles à elle. Pour finir, chez Sephora, et puis cette vidéo sera complétée parce que j'ai reçu ce que je recevrai demain. J'ai encore craqué sur le site avec pas mal de choses à cause d'Ella et de Lily, justement. Elle m'influence grave, je suis un mouton en ce moment. J'ai pris les deux palettes de chez Marc Jacob, l'iconique, enfin les deux palettes iconiques. Je crois que celle-ci c'est une collection de Noël et celle-ci je ne sais pas. Mais il y en a une qui est plutôt nude et l'autre qui est avec des petites paillettes et tout, qui est très jolie. Honnêtement, je les ai payées 18€. Ça valait grave le coup, elles étaient à moins 50 ou moins 70%, mais avec les moins 20% supplémentaires, enfin, ça valait trop le coup quoi. Donc surtout celle-ci, je suis trop contente de l'avoir eue. Même Ella a craqué pour l'autre, même Lily je crois a craqué pour la blanche. La montre, c'est une merveille, regardez déjà le packaging. Je sais qu'Ella l'a et quand elle s'était maquillée avec, j'avais dit elle est belle. Donc c'est quand même des teintes nude rosées et ces couleurs là en fait, ces trois couleurs là, hop, je vous les montre, elles sont juste divines. Elles sont vraiment divines. Sur la paupière d'Ella, ça rendait magnifiquement bien. Je m'en souviens encore, donc c'est pour vous dire. Et je trouve que l'harmonie est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment les couleurs. En ce moment, j'ai envie de nude, de couleurs passe-partout. La preuve encore aujourd'hui, je me suis maquillée avec du nude, mais des paillettes. Quand même, j'aime bien quand ça, il y a de la paillette. Et la deuxième, c'est vraiment du nude, vraiment nude. Hein. Je vous ai pas dit la référence d'ailleurs. Tiens, tout à l'heure, la noire, c'était la 840 Electric. Donc, je trouve que ça correspond bien. Et celle-ci, la blanche, c'est la 770 Fantasène. Et comme je vous disais, c'est vraiment des couleurs très nude, rosées. Mais il y a des jolies. Il y a deux couleurs un peu métalliques là ici. Mais voilà, elles sont magnifiques.
Alors j'ai déjà une palette de chez Marc Jacob. Au niveau pigmentation c'est pas un truc de fou, mais c'est quand même présent. Donc j'ai hâte de tester celle-ci pour voir un peu ce que ça va donner. Une de mes copines, Karine, si tu passes par ici Karine, oui elle s'appelle comme moi, elle m'a offert cette poudre là, la Translucent Smoothing, bon, c'est une poudre de finition, poudre de finition translucide, effet lissant, enrichi à la pêche et à la crème, donc c'était moins 70% je crois. Elle était pas chère, donc elle se présente comme ceci. Et là, voici la petite merveille, je ne l'ai pas encore testée, voilà, je voulais vous la présenter. Donc ça c'est un petit cadeau, mais je sais qu'elle était en sol. Sachez, alors vous êtes nombreuses à me dire, oui mais Karine, il n'y a plus de dispo et tout, mais sachez que si vous mettez des alertes, alors là peut-être au moment de cette vidéo, les soldes seront terminés, mais vous le saurez pour les prochaines soldes. Quand vous mettez des alertes, les produits des fois reviennent au stock, même s'ils ne sont plus en stock au moment où vous voulez commander, vous mettez une alerte et bam, des fois ils reviennent en stock, tout ça par magie, et ça fait plaisir. Vous pouvez donc recraquer à un moment donné. Et j'ai repris des produits Too Faced, j'ai été hyper faible, j'ai pris de la gamme Peach Kiss, donc la même gamme que tout à l'heure, c'est un mat hydratant, infusé aussi à la pêche et à la figue, c'est ceux qui sont comme ça tout blanc, c'est une couleur sympa, c'est le Flight Risk, c'est vraiment une couleur un peu passe-partout, c'est le nude parfait, mais le nude rosé, vieux rose, trop beau, oh, il est magnifique, waouh, il est magnifique. Magnifique, alors ça je regrette pas. Il était à 10€, donc moins 50 ou 60%, je sais plus. Mais en tout cas, 10€. Et j'ai pris deux produits de la gamme Tutti Frutti. Donc le Gloss Show Me Your Coconut, donc un gloss un peu nude, comme ceci. J'en ai déjà deux de cette gamme-là que j'aime énormément. J'en ai un surtout que j'aime beaucoup, hein, faut le dire. Et du coup, bah j'ai pas de teinte nude comme ça, marronnée, un peu légèrement, je dis bien légèrement pêche. Il est là. Il est trop beau, encore une fois. Et ceux-là, j'en ai un aussi que j'avais reçu. J'en ai commandé un... Non, je n'ai pas commandé d'autres. Si, j'en ai commandé un autre. Oh, je sais même plus. De toute façon, il y a mes deux commandes qui arrivent. Il y en a un autre, je crois. C'est des... J'en ai eu un par Lily, voilà. Dans notre soif, j'en ai eu un par Lily. C'est les Twinkle Twinkle, donc les fards à paupières liquides. Je les aime beaucoup. Là, c'est la teinte Sweet Spot. Et je crois que j'ai commandé aussi le Honey. Je sais plus lequel j'ai commandé. J'en ai commandé encore un autre qui devrait arriver. Et ils sont liquides, vous les mettez par-dessus un fard à paupières, ça vous donne des paillettes, ça scintille, je sais pas si vous verrez bien, mais il est trop trop beau. Comme ça là vous voyez de près les couleurs. J'ai commandé sur Sephora des petits embouts mousse, mais il s'avère qu'hier chez Primark j'ai trouvé des embouts mousse aussi, pour moins cher, enfin pour le même prix il y en a beaucoup plus. Mais ça je vous montre ma petite commande, mes petits achats chez NYX et Primark sur Instagram. Je vous laisse avec la suite de mes achats, ce que j'ai reçu entre temps, bah, demain, comme ça vous aurez vraiment une seule vidéo, mais je vous retrouve juste après. Je vous retrouve pour la suite de cette vidéo en mode quasiment peu maquillée et un chignon assez aléatoire sur la tête, mais il fait très chaud aujourd'hui. Du coup, j'ai reçu mes derniers colis, comme je vous l'avais dit. J'ai reçu Beauté Privée, Sephora et la Beautiful Box. Donc, je vous montre ça rapide. La Beautiful Box, elle donne vraiment envie au niveau du thème. J'aime beaucoup. Et alors, c'est quoi le thème? Connaissez-vous cette plante aux vertus extraordinaires pour la peau et les cheveux? C'est-à-dire à la base d'aloe vera. Donc, très très bien. Ça, c'est trop trop cool. J'aime beaucoup. Hein. Toujours sympa au niveau du design et tout. J'aime bien. C'est toujours bien. Oh, c'est trop mignon. Ils nous ont mis un petit paquet de bonbons à l'aloe vera. Alors, je sais que l'aloe vera, c'est aussi bon, hein, pour la santé. Vous pouvez boire de l'eau un petit peu avec de l'aloe vera. Vous en trouvez d'ailleurs chez Action à petit prix. C'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la peau. C'est vraiment sympa. Donc là, on a une lotion hydratante et apaisante pour l'été à l'aloe vera bio de la marque Execo. Ça, c'est cool. En plus, ma lotion, elle est quasi finie. J'attends de recevoir la nouvelle. Et ça, c'est cool, 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 cool. Moi, on va faire des belles découvertes. Un sérum aqueux éclat du visage à l'aloe vera de la marque LM Beauty. Donc c'est un petit contenant, mais pourquoi pas, c'est cool, fabriqué en France, dans le sud de la France. Ensuite on a un soin cheveux à l'aloe vera, un hydratant et démêlant sans rinçage, en petit spray comme ça, mais elle est trop bien la box. Enfin, dermo-cosmétique naturel, ça je valide aussi. De la marque Cadalys, d'ailleurs je suis en train de tester un gel nettoyant pour la peau de la marque Cadalys que j'aime beaucoup. Là c'est un gel douche gourmand à la banane et à l'aloe vera. C'est estival, d'ailleurs on va sentir quand même, hein, au moins pour voir si ça sent bon. C'est vraiment cette odeur de banane, mais toute douce, avec en fond l'aloe vera. Ça a l'air pas mal, je vais mettre ça dans ma douche direct. Et pour finir, un grand produit de la marque T&M, Terre de Mars. Je connais pas du tout, maison de cosmétiques naturelle, un shampoing nourrissant. Et je suppose que c'est à base d'aloe vera, oui.
à base d'aloe vera, d'extrait de café pour régénérer le cheveu et de protéines d'amande pour réparer et l'aloe vera pour hydrater. Ben écoutez, un gel douche, un shampoing, un soin sérum, un soin pour les cheveux, il y a tout ce qu'il faut pour le corps et les cheveux, donc je valide à 100 000%. Et en plus on a la petite gourmandise, toujours aussi conquise par Beautiful Box. D'ailleurs j'utilise de plus en plus ces produits dans mes routines quotidiennes. Chez Beauté Privée, j'ai craqué au début du mois de juillet et ça a mis quand même un mois entier à venir. J'ai pris pour mon chéri la fameuse brosse à dents Oral-B Vitality. Moi j'ai la mienne qui date au moins de 10 ans honnêtement. On se la partageait à deux etc. Mais là il y en a marre, hein. En plus ça se fait vieille. Donc je lui ai pris celle-ci et moi je pense que je vais en recevoir une bientôt aussi, faut que je regarde. Mais ouais, je suis contente, elle est bien en plus, c'est tout en noir, dernier cri, moi, nous on aime bien les brosses à dents électriques, c'est quand même un lavage de dents plus intensif et beaucoup mieux je trouve. J'ai pris sur le site Beauté Privée, il était vraiment vraiment pas cher, le parfum Repetto, il était, mais je sais plus à quel prix, j'essaierai de vous remettre une annotation si je retrouve le prix, mais rien du tout, il m'a rien coûté. Je vous mets le lien Beauté Privée si ça vous intéresse, hein. Il y a des pépites sur ce site là régulièrement, et avec mon lien je crois que vous gagnez 5€ dans votre première commande. J'ai pris quelques cotons-tiges, je vous avais dit que en ce moment... Mais d'ailleurs, j'ai pas pris... Mais il me manque un produit, on dirait, non? Ouais, il y a un problème dans ma commande, ils m'ont mis des cotons-tiges, mais c'est pas ça que j'ai commandé. J'ai commandé un coton-tige réutilisable, vous savez, j'en ai déjà présenté un dans... D'ailleurs, c'est écrit hein, sur ma liste, mais je sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Il manque mon produit, c'est pas du tout ça. Il manque, alors j'ai pris des cotons-tiges comme ça biodégradables au bambou, ça oui j'en ai commandé, ça coûtait 75 centimes, je me suis dit pourquoi pas tester. C'est vrai que le coton-tige réutilisable c'est cool, mais de temps en temps un petit coton-tige basique c'est sympa, en plus en bambou biodégradable ça c'est bien aussi. Et j'ai pris un autre coton, je vous remettrai une photo, réutilisable en noir, mais je l'ai pas dans ma commande, donc déjà il y a un problème. Réclamation à venir. J'espère qu'ils vont être réactifs. Donc de m'agacer quand mes commandes ne sont pas complètes comme ça. J'ai commandé il y a un mois les gars, un mois, et la commande elle a mis 10 ans à venir pour qu'un produit soit manquant. Ça m'énerve. Chez Sephora, j'ai bien craqué encore là. Les dernières soldes, là mon dieu, mais moi je fais les soldes de Sephora cette année. J'ai pris ce petit soin pour les pieds. Moi j'aime beaucoup les soins pour les pieds de chez Sephora, donc je l'ai pris, il était pas très cher. Et il y avait les soldes plus moins 20% en plus des soldes. J'ai pris ce petit kit de rouge velouté. Je sais pas si je vais vous le mettre dans un concours ou où je vais les offrir. J'ai pris des trucs pour offrir aussi dans ce que j'ai pris, parce que c'est vrai que les anniversaires de septembre à décembre, bah, au moins ça va être cool, on a des petits cadeaux sous la main. J'adore ce qu'ils disent format mini size, mais non, c'est des vrais formats. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'est des vrais formats et ça m'a coûté 3€. Donc vraiment rien du tout ce kit. J'ai pris, ça c'était pas soldé, deux produits. J'ai pris la mini nude palette de Natasha Denona. Elle me faisait très envie depuis quand même pas mal de temps. Et là elle est revenue en stock, donc je l'ai prise avec moins 25%. Donc elle m'a coûté autour de 18€. J'aime beaucoup les mini palettes de Natasha Denona. Et celle-ci c'est vraiment une nude basique. Il paraît qu'elle est très très bien pigmentée. J'ai hâte de la tester. Et ça va être plus pour la rentrée. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime mettre pour la rentrée, donc je suis trop contente de l'avoir. Et pour aller avec, et pour avoir la fameuse petite trousse gratuite, oui, je l'ai encore gratuite, cette petite trousse là, ça fait la troisième quand même que j'ai, mais bon, je la garde comme ça pour des concours, c'est toujours utile. Du coup, pour aller avec, pour avoir la trousse gratuite, il fallait que j'achète un deuxième mini produit, donc j'ai pris de chez Mercy Andy le gel nettoyant de la gamme Balance. Ils ont fait toute une gamme comme ça avec les signes astrologiques, donc j'ai pris Balance puisque je suis Balance, et les gels Mercy Andy, moi je les aime beaucoup. Et j'ai repris un petit masque comme ça à la noix de coco. C'était donc ma petite première commande Sephora, puis j'ai recraqué, j'ai repris ça parce que je me suis dit il valait 1,50€. J'ai pris des choses en double que j'avais déjà prises. Celle-ci c'est pas pour mes enfants, c'est pour des concours à Noël, parce que j'ai envie à Noël de vous préparer des petits concours un peu sympas. Et souvent je manque de temps au mois d'octobre, novembre pour vous préparer des concours de Noël. Donc là j'ai dit que j'allais prendre des choses en avance. Donc dans tout ce que j'ai acheté, je vais faire une réserve et je vous prépare plein de petits concours sur YouTube, sur Insta, sur Facebook. Je vais essayer de varier un petit peu pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et ma deuxième commande, enfin la deuxième commande de la suite, donc j'avais la boule de neige là, plus j'ai pris une petite mousse de douche parce qu'elle était à 75 centimes.
J'ai pris ce petit gel, je vous l'avais montré déjà, je l'ai acheté pour moi, là je l'ai acheté pour vous celui-ci, c'est un gommage main au miel. J'ai pas encore testé le mien, mais j'ai hâte. J'ai pris un gel nettoyant à base de thé vert, c'est pas pour moi parce que c'est assez purifiant, moi j'ai pas spécialement beaucoup de boutons. C'est pour mon beau-frère, hein. Je vous en parle souvent sur Instagram de mon beau-frère parce qu'il me fait des petits montages vidéo sympas sur Insta. Et du coup bah voilà, je lui ai pris ça pour le remercier et puis parce qu'il en a besoin, il prend pas trop soin de sa peau, donc je vais lui ramener ça. Et j'ai repris pas mal de produits de la gamme Tutti Frutti de chez Too Faced. Frutti, j'ai pris la Sparkle Pineapple, la palette comme ça, que nous allons logiquement vous faire bientôt gagner sur Insta. Moi je l'ai pris pareil pour des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire et tout ça, c'est toujours en stock. Elle valait 11€ et je crois qu'avec les moins 20%, elle m'est revenue à 8€ quoi. C'était tellement donné, la collection là, Tutti Frutti, c'était donné, hein, vraiment. J'ai pris des blushs, pareil, de la gamme Tutti Frutti, à la Pluma Granate et l'Abricot in the Act. J'avais hâte d'avoir le abricot là parce que celui-ci me faisait très envie et j'avais pas eu au début. Je crois que c'est le quatrième que j'ai acheté. Pareil, ils étaient autour de 6 à 8€. Il est trop beau celui-là, j'ai hâte de le tester. Il a l'air magnifique. Le deuxième, j'aime un peu moins, donc je vais voir si je l'utilise ou pas. Sinon, pareil, ce sera pour des concours. Attendez-vous à des big concours là prochainement, hein, surtout sur Insta. On va essayer de faire ça un peu partout. On va s'associer avec des copines. Hein. Donc le deuxième, c'est le Pluma Granate, qui est beaucoup plus foncé. Donc j'aime un peu moins parce que c'est vraiment du rose flashouille. Et je pense que ça ira bien à quelqu'un qui est un petit peu bronzé. Et je me suis repris deux fards à paupières comme ça, pailletés. Donc le Guava Glitz, un argenté comme ceci. Il est beau. Et le deuxième, c'est le Honey Please. C'est un miel un petit peu, ouais. C'est un miel doré. Faut que je vérifie si je les ai pas déjà commandés. Logiquement, j'ai pas pris de doublon, mais tel un boulet. Si j'ai des doublons, de toute façon, ce sera pour des concours. Et ceux-là, ils revenaient à peine 5€. Je vous les montre vraiment légèrement. Moi, j'aime bien les mettre par-dessus un make-up. Donc, par exemple, le Honey, ça peut être très sympa par-dessus un make-up un peu bronze. Et le argenté, bah, par-dessus un make-up un petit peu argenté. Et aujourd'hui, alors j'ai fait un make-up très 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 léger, vous voyez j'ai quasi rien sur mon visage, mais au niveau des yeux j'ai mis justement ces petites paillettes là, mais la version rose, je crois c'est champagne quelque chose, donc c'est très léger. Et au niveau du mascara, j'ai mis le fameux mascara de chez Unique et honnêtement il est trop beau. Alors vous verrez peut-être pas, mais moi j'ai des micro cils et il fait vraiment des très très beaux cils, donc merci Lily hein, pour ce mascara. Et voilà pour mon gros craquage. Honnêtement, il y a des choses que j'ai reçues gratuitement, mais il y a des choses aussi que j'ai achetées. Comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup beaucoup craqué ces derniers temps. D'ailleurs, il y a une dernière commande que je vous avais pas montrée. Je vous la montre rapidement ici, mais je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée aussi. J'ai reçu des produits de la marque O2O. Ça se présente comme ceci. J'ai reçu plein de produits là comme ça pour tester. Et ça, je vais vous faire une vidéo, je pense, crash test, un make-up blabla, etc. Je pense qu'il y a des lipsticks, il y a qu'est-ce que c'est que ça? Un highlighter, un autre lipstick? Ah non, un eyeliner, un mascara, une blender, autre eyeliner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors comme c'est une marque que vous trouvez sur AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une marque un peu quand même petit prix, mais entre guillemets presque luxe. Hein. Je trouve que les packaging et tout font vraiment luxe. Donc vous voyez, alors, ça se présente comme ça, c'est trop trop beau. Et bam quoi, bam. Je trouve que ça envoie du lourd. Faut que j'enlève un petit peu tous les packaging parce que tout est scellé, archi scellé. Mais il y a quand même des belles choses. Et j'ai eu aussi deux palettes, elles sont vraiment très très jolies. D'ailleurs celle-ci, vous allez voir, ça ressemble à une palette que on connaît déjà. Et je pense que je vais vous la comparer du coup dans ma future vidéo. Je ferai peut-être un œil une, un œil l'autre. C'est une sorte de dupe de la palette Mercury Rétrograde de Huda Beauty. Et ça a l'air d'être quasiment la même chose. Donc il faut que je compare évidemment. Mais ça a l'air pas mal du tout, du tout, du tout. Il y a des merveilles à tester. D'ailleurs, il y a un rouge à lèvres. On va regarder le rouge à lèvres. Oh my gosh, il est trop beau. Regardez le packaging du rouge à lèvres. Schlang. Alors, voyons voir. Je sais plus quel terme j'avais prise. Appui. Ah, ça sort. En appui, ça sort. Waouh. Ça a l'air d'être un rouge à lèvres mat. Il est trop beau au niveau de la texture. Je sais pas si vous verrez. Alors, j'essaie de me diriger vers des couleurs que j'ai pas l'habitude. Là, c'est une sorte d'oranger. Et oh, bah non, en fait, c'est un corail mini. Il est juste épatant. En plus, ça n'a rien à voir avec le
Le swatch et le raisin n'ont rien à voir, mais la couleur est pas ma. Je crois que j'ai pas de couleur comme ça dans ma collection. Ah, pff, coup de cœur pour ce truc là. J'ai hâte de tester. Mais waouh. L'enlumineur, il a l'air magnifique. Est-ce que ça pourrait être un dupe de... Donc là c'est un rose gold, tiens, que j'ai pris. Un dupe peut-être des produits Becca ou des produits Charlotte Tilbury, pourquoi pas. C'est vraiment pas cher du tout. Si j'ai un code promo pour vous, je vous mets tout dans la barre d'infos. En tout cas, c'est la marque O2O. C'est une marque vraiment petit prix, mais un peu effet luxe. Je suis méga ravie de tout ce test-là, hein, vous avez vu. Je vais pouvoir me faire plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir dans des prochains tests, dans des prochaines vidéos, que ce soit des vlogs ou des crash tests, make-up blabla, etc. Voilà, je vais vous reparler de tout ça très prochainement. Maintenant, je vais m'arrêter d'acheter un petit peu de choses. Là, je vais essayer de me calmer. Et puis, on se retrouve dans les prochaines vidéos maîtresse, organisation pour cette rentrée qui arrive. On like. On n'hésite pas à activer la cloche si c'est pas encore le fait, hein, si c'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement. Salut!